First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais tourner 2-3 vidéos en plus de celle que je viens de tourner avant, qui est le tag je jette mes pudipes. Donc si vous voyez le même décor, le même haut, la même gueule, c'est normal. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière. C'est une vidéo que je fais que très rarement sur ma chaîne YouTube, qui généralement je le dis plutôt dans ma vidéo achat et info du mois 2. Là je vais vraiment faire une vidéo à part. Alors j'ai la flemme de prendre mes poupées dans la main, donc je vais vous insérer des photos, ça va aller plus vite. Alors je vais vous parler dans cette vidéo de Kyle, de Sébastien, de Céleste, Aurore. Alors je vais commencer par Sébastien. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire de Sébastien, donc déjà c'est un stock et le gros changement c'est qu'il va être une FC par Ariana Endels. Alors je vous explique. Moi quand j'ai acheté le Taeyang Sébastien Black Circus, je voulais vraiment avoir un Taeyang majordome dans ma série Puip. Et au tout début Sébastien incarnait vraiment le personnage de Sébastien Michelis. Mais vraiment au niveau du caractère et de l'apparence, juste le nom de famille changeait. Et au fil du temps j'ai voulu me détacher du personnage de Sébastien Michelis dans Black Butler, parce que je n'aime pas avoir des incarnations de personnages dans ma collection qui ne sont pas de moi, donc ça peut être des films, des mangas, des séries. Et donc voilà. Et vraiment Sébastien je l'avais choisi pour un maquillage très simple, et que c'était à cette époque là il y avait encore pas beaucoup de Taeyang sur Puip. Il y en a encore pas beaucoup maintenant, mais à l'époque c'était déjà le cas. Donc je m'étais rabattue forcément sur un Taeyang Sébastien Black Circus qui était le plus approprié et le plus concerné dans ce que je voulais faire, donc avoir un Taeyang majordome très gentil, très galant comme premier Taeyang de ma collection. J'ai déjà eu d'autres Taeyang avant lui, mais c'est le seul que j'ai gardé et que j'ai encore. Donc Sébastien, voilà, il a une perruque fure noire, des yeux rouges, des fossiles, et plus tard il faut que je lui achète un Nobitsu. Et j'hésite à lui changer ses yeux par d'autres rouges, parce qu'en fait quand tu fais des photos de Sébastien, ses yeux ressortent noirs sans pupilles. Or il a les yeux rouges avec pupilles. Et donc le gros changement c'est que voilà, il va être une FC par Ariana Endels. Je me suis lassée de son modèle chez moi. Je trouve que Sébastien a vachement fait son temps chez moi, et j'ai besoin de le voir avec un côté plus frais, plus neuf dans ma collection. Et je sais que ce changement vous plaira plus que si je le gardais stock, parce que franchement Sébastien était l'un de mes Taeyang qui avait le moins de regard sur lui. Et de retour, donc et puis même pour moi de le voir FC, je vais l'aimer davantage à nouveau que bah là quand je le prends en photo, c'est limite ça me fait chier de le prendre en photo quoi. Donc voilà pour Sébastien. Ensuite je vais parler de Céleste et Aurore en même temps, qui sont sœurs. Alors Aurore elle va peut-être partir sur Vinted, on propose des prix que bon, moi généralement je n'aime pas qu'on me propose des prix, c'est des prix fermes généralement. Mais bon, si je précise pas que c'est un prix ferme, on me demande de négocier le prix. Donc Céleste est sur... Aurore est sur Vinted. Elle va peut-être partir, ça dépend si la personne accepte la négociation que je lui ai fait en retour, parce que je lui en ai refusé deux de ses propositions qu'elle voulait que j'accepte, que j'ai refusé deux fois, et je lui en ai fait une en troisième en retour. Et donc Aurore va bientôt partir. Céleste, à la base, elle était aussi en vente, et je l'ai retirée et je ne l'ai pas remise en vente, parce qu'en fait je l'ai retirée parce que la Cosmic Mercus était une de mes UD dans les Jung Planning, un modèle que j'ai toujours aimé et que j'ai aimé du premier regard. Et aujourd'hui finalement de la vendre ça me ferait chier, mais à la fois non. Si je la garde, je lui changerai totalement de personnage, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, Aurore et Céleste vont revenir en FC, et j'aimerais les faire faire. Alors au départ je voulais les faire faire par Ariana Endels, mais finalement j'aimerais les faire faire par Yami Emdol. Mais bon, Yami Emdol a vachement augmenté ses prix, donc ça me fait un peu chier. Mais l'idéal ça serait par Yami Emdol ou Liv Dolls. Là je viens de dire penser. En story j'avais dit Yami Emdol, mais en fait Liv Dolls. Je veux... Ouais, mais je pense que Yami Emdol correspondrait plus à mes deux projets. Donc en fait je pense non, je vais rester sur Yami Emdol. Donc voilà.
Aurore et Céleste vont revenir en FC par Yam Yam Doll. J'ai eu un moment de réflexion dans la vidéo. Mais pour revenir au modèle de la Cosmic Mercu, j'avais dit que je voulais peut-être la garder pour faire la sœur de Brahms. Mais dans l'histoire de Brahms, elle est déjà décédée. Donc à quoi bon faire la sœur de Brahms si elle est déjà décédée et qu'on ne la verra jamais dans ma série? Vous voyez? Après vous allez me dire, bah ouais mais tu peux quand même la faire et pas la montrer dans ta série. Oui mais moi ma série c'est mon univers et de ne pas mettre une ou plusieurs poupées, je ne peux pas. Ça ne m'intéresse pas, ça me fait chier. Donc il faut que tous soient dans ma série. Je suis encore en réflexion. J'ai envie de la vendre parce que bon, faire la sœur de Brahms aurait été le personnage le plus approprié par rapport au maquillage de la Mercu. Donc je sais pas, c'est encore compliqué. Mais voilà pour les deux. Pareil, donc là j'ai vachement parlé de la Mercu, je vais parler plus en détail de la Jupie. La Jupie, quand je l'ai achetée, avant même de l'acheter, j'avais un coup de cœur instantané pour elle. Mais à l'origine, la Jupie, je l'aimais pas trop. Alors pas que je ne l'aimais pas, mais je l'aimais pas trop. Et j'ai su l'aimer. Sauf que généralement, moi, quand j'aime pas un modèle stock de base et que je finis par l'aimer, et ben je reviens dans mes démons et me dire, bah ouais, mais en fait, bah j'en veux plus. C'est ça le problème. Et bah par exemple, dans ma collection, il y a plein de modèles que je pensais jamais avoir. Parce qu'au départ, je les aimais pas trop. Voilà. Et la Jupie en faisait partie. Sauf que quand j'avais décidé de l'acheter et quand je l'ai eu à travers ces années, parce que je l'ai acheté en 2018, forcément, j'ai toujours adoré Aurore. Mais Aurore, je m'en délaisse. Même si elle a eu sa nouvelle perruque dernièrement, je m'en délaisse par rapport à son maquillage. Donc voilà pour les deux. Ensuite, bah, il me reste un seul talent à vous parler pour les gros changements de ma collection. Et c'est Kyle. Kyle, c'est un FC par Yam Yam Doll. Alors moi quand je l'ai acheté, j'hésitais fortement à l'acheter mais j'ai craqué dessus. Donc je me suis dit de quand même l'acheter. Alors Kyle, c'est une FC par Yam Yam Doll. Il a un sourire en coin. Et je l'ai acheté tout en sachant qu'il brillait, il me semble. Ou peut-être que ça m'a pas été précisé, je sais plus. Mais même si de base je n'aime pas les sourires en coin, que ça soit sculpté ou pas, j'aime pas. Mais j'avais quand même décidé de l'acheter. Et aujourd'hui, Kyle, le fait qu'il brille de mille feux de la gueule et qu'il a un sourire en coin, bah en fait j'en veux plus du tout. Voilà, je m'en suis délaissée. Pourtant il est très photogénique, on voit que c'est un Taeyang qui a un charisme. Mais même si moi je le trouve très beau custo comme il est, je m'en suis délaissée en fait, tout simplement. Donc Kyle, lui, j'aimerais le refaire faire par Ariana Endels, ça c'est sûr. Je vais refaire Kyle, mais par une autre make-upeuse. Mais ça ne change pas, le changement de custo il va pas changer, il va garder les custos tels que Kyle avait, il va garder le même prénom, il va garder la même histoire. Juste c'est la make-upeuse qui change. Et voilà, tout simplement. Donc voilà pour les gros changements dans ma collection. Pour moi c'est des gros changements parce que c'est des changements que jamais, au grand jamais, je pensais faire, honnêtement. Moi mes stocks, les faire en FC, c'est pas du tout moi en fait de faire FC des stocks. Sauf si je l'ai voulu dès le départ. Mais avoir des stocks pendant des années et les faire FC, ça me reconnaît pas du tout. Et pourtant j'en ressens l'envie d'avoir des poupées, bah... qui soit plus frais, un coup de neuf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez écouté jusqu'au bout pour ces grosses informations. Et voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.